trop bien. C'est qui là? C'est pour moi. Hello. Salut, salut. Oui, c'est pour vous. Voilà, votre commande. Quelle boîte lourde. Qu'est-ce qu'elle a? Bon, voyons voir. Ah ouais. Voici. J'ai tout ce qu'il faut pour faire le lit de mes rêves. Ouais, quelque chose en bois. Il faut le poser sur le sol. Qu'est-ce qu'elle prépare? Voilà, complètement plongé dans la boîte. Ouais, super, c'est pour moi. Elle est tellement grande. Ouais, j'ai presque tout réussi. Et plus de matériel. Oh, ça fait mal. Il faut ranger la boîte. Elle est dans mon chemin. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Constructeur Marie, mets-toi au travail. Bon, on va mettre ça comme ça et ça comme ça. C'est pas mal. Ça va être très joli. Oui, je suis un bâtisseur né. Un lit superposé. J'en ai toujours voulu un lit comme ça. Ouais. Maintenant, ce lit est tellement mieux que le mien. Mais je vais vite le réparer. Maintenant, on attend le livreur. Oui, il est là. Les gars, c'est pour vous. Merci. C'est pour vous, mademoiselle. Waouh, c'est tellement beau. Et ouais. Le lit est installé. Ajoutons un peu de décor. Et un peu plus de lumière. Des jolies photos pour rendre ça encore plus chaleureux. Maintenant, allumons tout ça. Ouais, ça marche. Waouh. Et si là-bas, voisine. Alors, qui a le lit le plus coulant, hein? Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il fait, la voisine? Oh, arrête. Quoi faire? J'ai une idée. Je vais prendre des trucs de partout. Par exemple, ces rideaux sont plutôt cool. Cette nappe sera aussi très utile. Bien que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai de l'imagination. Je pense que c'est génial. Ça a l'air tout aussi bon que celui de Jennifer. Aïe. Marie, qu'est-ce que tu fais? Waouh. Où est-ce que tu as trouvé ces super beaux rideaux? Maintenant, la nappe va entrer. J'ai fait un super hamac. Cool, c'est tellement confortable. C'est tellement agréable de s'y reposer. Salut, voisine, comment ça se passe? Je m'ennuie vraiment, j'ai une idée. Je vais commander quelque chose de... Ouais, Marie va être jalouse. Oui, je suis en route. Bon après-midi, mademoiselle, votre commande. Nous allons l'installer rapidement. Juste ici. Oui. Tout est prêt. Voici vos honoraires. Merci. Au revoir. Je vous attends toutes à la fête de ma chambre. Bonjour les filles. Regardez ma super maison. Génial. Jennifer, c'est super. Nous organisons une fête privée. Personne n'est autorisé à entrer. Et il est grand temps que nous commencions à nous amuser. Oh, je crois que j'ai une super idée. Alors, la nappe. Maintenant, la vaisselle. Et mes bons amis fidèles. Qu'est-ce qu'elle prépare, elle? Je vais allumer la musique à fond. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'espère que Marie va être contente. Bon, ouais, il faut faire quelque chose. Sécurité? Oui, je vais me plaindre de bruit fort dans ma chambre. Oui, c'est pour moi. Bon après-midi.
C'est quoi le problème? Venez avec moi. Je vais vous montrer. Les voilà. Ok. Nous allons aller au fond des choses. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Il y a des plans dans votre sujet, mademoiselle. Oui, alors? Je pense que je sais comment résoudre ce problème. Eh bien, je suppose que je suis prêt à fermer les yeux sur certaines irrégularités. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une idée. Alors, je ferme ma fête. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, regardez, j'ai un globe lumineux cool. Et maintenant, nous allons faire quelque chose d'intéressant avec ces disques. Je suis sûre que Jennifer va se mordre les coudes. Maintenant, prenons et collons les morceaux de disque au globe terrestre. Génial! C'est une super boule disco! Dans l'ambiance de fête, toujours avec moi. Ouais. Et avec les disques, faisons une décoration pour les murs. Ma chambre est brillante. Elle m'a tenté de mettre de la musique aussi. Ouais. Et ça va être fort. Oh my. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est cool pour moi. Salut, nous sommes venus te voir. Quoi faire? Je sais. J'ai une boîte cool avec des ampoules. Elles sont géniales. Wow. Maintenant, je vais avoir besoin d'un cordon. Oui, superbe guirlande. Maintenant, il faut tout mettre ça comme ça. What? Qu'est-ce qu'elle a inventé? Oui, c'est tellement cool. Oui, j'adore ma maison. Bon, dépêche-toi et viens ici. Oui, entrez. Ok. J'ai besoin de tout ce qui est ici pour briller. Pas pire que celui de ma coloc. Ouais. Awesome. Oui, c'est juste ce dont j'ai besoin. Félicitations, ça marche. Oh, thank you. C'est pour vous. Merci beaucoup. Oh, wow. Oh, c'est cool. Oh my god. Oui, mieux que toi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est un incendie. Nous avons un extincteur. Nous allons te mettre sur la table. T'inquiète, Jennifer, tout est sous contrôle. Oui, j'ai réussi. Non, ma maison. Elle est ruinée. Désolée, Jennifer. Mais tu peux toujours vivre dans le mien. Oui, viens te voir. Oui, c'est cool pour moi aussi. Ouais, c'est cool. Oui, tiens. Ce sont mes amis en peluche. Pourquoi je suis si malchanceuse? Je n'ai qu'une seule pizza. Parce que j'ai eu toutes les autres. Et non, j'ai toutes les pizzas. Regardez ces tours. Oh mon Dieu. T'as une perche à pizza géante et j'en ai qu'une. Ce n'est pas juste. Arrête de pleurnicher, tu ferais mieux de commencer à manger rapidement. J'espère que ma pizza est au moins la plus savoureuse. Oui, c'est plus savoureux que les autres. Wow! C'est bon. Et c'est beaucoup de fromage. J'adore le fromage. Cool! Eh, tu penses à poubelle dans lequel on jette les restes, n'est-ce pas? Ouais, tiens. Pourquoi tu te bats? Je l'ai pas fait exprès. Je vais aussi manger mes pizzas. Rien que leur vue me fait saliver. J'ai trouvé un moyen de manger plus rapidement et plus profondément pour que mes mains ne salissent pas. Waouh. Je pensais pas que quelqu'un pouvait faire ça. Mais comment tu fais ça? Les pizzas sont bonnes, alors je peux faire mieux que ça. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé?
Je pense que tu ne pourras plus supporter les pizzas. Mais nous en aurions besoin aussi. Oui, génial. J'ai besoin de revenir à la normale maintenant. Oh, où sont mes pizzas? Qui les a volées? Et vraiment, qui a osé? Oh, les voleurs! Comment osez-vous? Je n'ai pas du tout honte car je pense qu'à manger ma pile de pizza. Très bien. Il faut que je vous mange. Non, peut-être il faut pas que tu les manges. Non, mais qu'est-ce qu'il faut être mieux? Oh, quoi? Oui, on t'a prévenu. Oui, ça a été vraiment une vraie pluie de pizza. Pourquoi j'ai puni de la sorte? Je déteste l'ail. Mais qui l'aime de toute façon? Vous êtes juste malchanceux parce que je n'ai qu'un seul ail. Come on! Ok. Pourquoi tu rigoles? Il s'avère que tu seras la première à le manger. Facile. Je ne suis pas une lâche, alors je peux m'occuper de lui rapidement. Tant que je ne vomisse pas. Oh non, je pense que j'ai surestimé ma force. Je ne peux pas manger cette chose. J'en ai assez. Et maintenant, tu dois manger ton ail jusqu'au bout. J'ai même un cadeau spécial pour toi. Un pressail. Tu peux mettre tout l'ail et le presser dans la bouche. Je ne veux pas. Non, c'était pas une question. Ouvre ta bouche. Oh non. On dirait un chat a vomi dans ma bouche. Oh, je sens cette odeur. Oui, quelle puanteur. C'est une bonne chose que j'ai toujours un chewing-gum pour des occasions comme ça. Merci beaucoup. Vous n'aurez pas à le renifler et je n'aurai pas à en souffrir. Alex, c'est à ton tour de manger l'ail. Pourquoi est-ce que je le mangerai? Regardez, quel collier cool cela pourrait faire. Arrête de faire des bêtises. Tu devras quand même manger de toute façon. Très bien. Mais d'abord, nous devons nous débarrasser de toutes les affaires superflues. J'ai un énorme vase pour ça. On secoue un peu. Voilà. C'est que le vrai ail. Alors, je peux le manger. Oh non! C'est la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais goûtée de ma vie. J'ai réalisé à quel point mon haleine puait. Une simple panse à linge peut toujours protéger contre toute odeur. Et si cela ne suffit pas, on peut vaporiser du déo. Je pense que le simple fait d'utiliser du déo n'aide pas. Il faut neutraliser la source de la puanteur. Ça a marché. Mais n'essayez pas de le faire à la maison, car le déo est très dangereux. Mais je sens pas mon haleine. Génial. Julie, t'attends qui? Dépêche-toi de manger ton ail. Je déteste ça depuis que je suis enfant. Si vous voyez mon visage devenir vert, aidez-moi. S'il vous plaît. C'est juste dégoûtant. Horrible. Pourquoi t'es si pressée? Oui, vous n'avez rien à vous dépêcher. Ainsi, je peux me débarrasser de ces tailles. Waouh, c'est courageux. De quelle vitesse! Julie, tu t'en sors très bien. Oh oui, encore un peu. Waouh! Comment c'est possible? Non, il n'y a plus d'ail. Waouh! Mais moi, je ne fais pas comme ça, Julie. Je suis désolée, mais nous allons devoir t'isoler. Bon, nous allons tous nous évanouir à cause de cette puanteur. Mais pourquoi? Ouais, enfin! Oui, je me sens tellement mieux. Oui! Oh non, pas de chance avec le tic-tac. Et j'ai de la chance, j'ai un paquet entier. Hey. Regarde, carrément de la chance. Oui, je suis censée recevoir un tas de goodies d'un jour. Mais là, t'as le moins de sucreries. Alors, tu peux commencer. Je pense que je peux manger un tic-tac. C'est bien, mais c'est terriblement petit. Alex, c'est à toi de jouer. Enfin, je suis sur le point d'avoir le plein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne sort?
Alex, t'as plus de bonbons? Oh non, maintenant le tic-tac est sur la table. Je pense que je peux le ramasser rapidement avec une paille. C'est fait. Julie, t'es la seule qui reste. Je n'ai pas seulement un énorme paquet de bonbons, j'ai tout un tas de paquets ordinaires. Il y en a assez pour tout le monde. Voilà, tous les bonbons, c'est à moi. J'adore les tic-tac, alors je mangerai rapidement 2 douzaines de paquets. Non, tu n'as même pas partagé avec nous. C'est pas grave. Je connais un moyen de voler un paquet. Tada! Les bonbons sont à nous. Arrête-toi là! Vous n'avez pas honte de voler? Il n'y a aucune preuve. Vous ne pouvez rien prouver. Maintenant, je vais vous donner une leçon rapide. La vengeance de Julie sera terrible. Tenez! Alors? Vous saurez comment voler mes trucs. Mais là, c'est tout un tas de bonbons. Dépêche-toi de les prendre. C'est vrai? Horrible. Quoi? Je n'ai plus de tic-tac. J'ai tout dépensé en balles. Mais au moins, t'as partagé avec tes amis.